Rebonjour à toutes et à tous, c'est toujours Tumblr et Anagoum. Toujours. Et on se retrouve encore pour l'Exode Day, avec une deuxième vidéo qui va vous montrer tout ce qu'on n'a pas pu vous montrer dans la première. On va vous parler encore un peu du scénario, mais aussi des autres Mudokons. Et justement, il y en a deux, trois derrière nous. Voilà. Et tu vas nous expliquer justement ce qu'on peut faire avec eux. Alors, c'est une séquence de gameplay qui est en fait plutôt la base de Dabe. Donc je vais continuer à en voûter comme dans la première vidéo notre TPR ici. J'adore comment il panique à chaque fois. Ouais. Oh, c'est quoi ? Donc il y a des slicks volants aussi qui sont assez jouissifs à contrôler. Il y a des slicks sans bras mécaniques comme vous voyez. Donc il rampe lamentablement sur le sol. Ce qui est marrant, c'est qu'avec les slicks, tu peux toujours t'amuser à persécuter les autres Mudokons. Ah oui, alors tiens, je vais le faire. Non mais c'est pour ça que je disais que la violence était assez crue. Regardez, alors si je vais vers lui. Et que je l'aime pas, par exemple, Alors attendez, comment on fait déjà? Fais gaffe parce qu'il faut pas lui tirer dessus. Ouais, je crois que... Non, alors, je fais un quick save. Ouais, voilà. Je fais un quick on save. Sait jamais. Vas-y, mets une pêche. Défonce-lui cette tronche. Oh là je crois que c'est comme ça. Non, mais... Ah, ou alors faut maintenir. Je crois qu'il y a un truc. Ah! Ah! Quoi? Quoi? Ah. C'est un peu ridicule. Ah, non, c'est bon, je sais ce que c'est. Je sais. Vas-y. Ah là! Voilà. Et il meurt au bout d'un moment. Hein, si oui, vous faites, au bout d'un moment il meurt. Mais tu peux très bien faire le torsionnaire parce qu'à la base les slicks sont les surveillants des esclaves justement. Je l'ai pas montré mais je peux. Ah bah si, je l'ai montré en première vidéo, je peux tirer à la mitrailleuse. Donc si je veux, je les tue. Hein. Bon après, ça vous empêche de faire certaines énigmes donc on va éviter. Mais il y a plein de manières de tuer ses amis en fait. C'est ça qui est terrible dans le jeu. Mais vraiment, genre là je vais désactiver l'électricité, je vais me débarrasser du slick. Mais si je veux, je vais vous montrer avec Abe. Après cette courte quick save, qu'on peut en fait donc leur parler, hein, c'est l'élément de base de la jouabilité des Old World. Et en fait, si je leur dis de venir dans l'électricité, ils vont faire et ils vont se tuer. Comme des idiots. Et vous pouvez vraiment faire plein de trucs, vous pouvez faire tomber des trucs sur la tronche, vous pouvez les faire tomber dans le vide ou dans des pics. Alors même si à la base c'est pas du tout le but du jeu, c'est vrai qu'on s'amusait souvent à le faire. Ah oui, non mais c'est ça. Et du coup, il y a deux fins en fait dans le jeu, c'est parce qu'il y a plein de passages secrets où tu peux sauver encore plus de Mudokons et d'autres où tu peux... Enfin si tu le fais pas, tu peux juste débloquer une bonne fin mais sans plus. Ouais, et si tu passes ton temps à les tuer... Bah, autant dire qu'à la fin tu te fais pourrir, hein. Y a pas de secret. Et alors, c'était pareil dans le 1 d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. D'ailleurs, je précise que le 1 était en anglais et que le 2 est en français intégral. Regardez, là je vais leur parler, écoutez. Voilà, donc je leur parle. Alors, ils ont peur de voir te suivre. Alors pourquoi ils me suivent pas? C'est parfait en fait. C'est parce qu'en fait, ils ont plusieurs états. Ils peuvent être énervés. Dépressifs, eux en l'occurrence ils sont dépressifs, voilà. Et donc je vais pas le faire, mais je peux les frapper. Et les dépressifs, si jamais vous les frappez, ils se suicident. Et son suicide va être vu par les autres, donc ils vont suicider à leur tour parce que c'est horrible. Il faut faire gaffe en fait, effectivement, à leur état et se débrouiller ensuite pour les. Et là je leur dis que je suis désolé et ils vont être un peu plus joyeux de vivre parce que vu que c'est tous des esclaves quand même, bon c'est pas super la joie. Et en fait il y a des c'est un système de communication qui est simple comme la mort. Ah ouais mais c'est efficace, il y a tellement de choses à faire avec ce système de dialogue, on s'en rend pas compte. On a quoi, on a 5-6 mots je crois, on peut dire salut, mots, désolé. Je crois qu'on a 8 mots hein, quand même, ce qui est pas mal du tout. Et alors là je leur dis d'attendre parce que des fois sinon ils se barrent et ils tombent quoi. Enfin non, là ils vont pas le faire, mais bon. Alors voilà. Et là, tu peux en avoir 6 en même temps, je crois. Qui te suivent. Tu peux en avoir à l'infini. À l'infini, ouais. Je pensais que c'était 6 Tous les mecs à l'écran, si tu leur dis tous ensemble, ils te suivent. Hein, c'est génial. Et donc oui, je voulais montrer ce panneau en haut. Où vous voyez volontaire. Donc volontaire, en fait, c'est des esclaves. Hein, faut pas. Oui, il est marqué travailleur des fois. C'est les panneaux de Rupture Farms. Hein, pour eux, les gens sont volontaires. Enfin non, celui-là, c'est plus Rupture Farms. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, en plus, c'est plus tard. Ça, mais bon, peu importe. Donc là, je vais dire de me suivre, par exemple. Suis-moi. Voilà. Tiens. Et parce que j'en ai besoin. Non, suis-moi. Ok. Non mais là ils m'ont tous suivi, c'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, t'as un truc normalement pour que ce soit un seul qui te suive. Ouais. Tu peux dire attends, puis après... Ouais, je vais faire ça. Oh mais c'est le bordel là. Ah, ils sont nombreux. Normalement c'est plus facile, hein. Là c'est parce que je parle en même temps, c'est un peu compliqué. Oui. Bah attendez, c'est ce qu'on va faire, on va leur dire... Non, c'est pas ça. Dire... Oh merde, non, c'est pas du tout ce que je voulais. Aïe, aïe, aïe. Ah tu as crevé en plus. Et voilà, bravo. Pour parler de... Ah, magnifique.
pour parler de comment mourir. Voilà, non, on l'a déjà montré en plus. Oui, oui. Dans le scénario, il y a un truc aussi, c'est que je trouve assez génial. C'est une autre critique du capitalisme, hein, l'Exode d'Abe par rapport à l'Odyssée d'Abe. Et donc, en gros, là, il déterre les eaux dans les anciennes nécropoles de Mudokon pour en faire des bières. Voilà. Donc en fait, tes potes vont se saouler à la bière avec fait avec leurs propres eaux. Et du coup, ah oui non, oui, t'as raison, ouais. Bonne idée. Et du coup, ils vont devenir totalement malades. Bah là, ouais. La preuve, hein, ils sont pas super super joyeux de vivre. Ouais. Et non, bah, c'est normal, ouais. Et du coup, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, pour finir le jeu, il faut tuer les trois chefs glucons. Hein, c'est les patrons de l'entreprise. Ouais. Et ils ont en fait des caractéristiques que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a le général Drippik, le vice-président Aslik et le directeur Flag. C'est-à-dire qu'à E3, en fait, quand tu débloques des portes et que tu les contrôles, tu contrôles le pouvoir politique, économique et militaire. Ouais, ouais. Donc pour finir le jeu, t'as cette espèce de, tu vois, de truc que tu dois dépasser et que j'ai trouvé ça assez génial. Enfin, c'est vraiment bien imbriqué dans le jeu, hein, ça paraît pas, mais c'est assez subtil. On peut aussi parler vite fait, enfin vite fait, très vite fait, dire que la série a eu des suites. Il y a eu l'Odyssée de Munch. Qui n'ont rien à voir globalement. En termes de gameplay. Non. En termes de gameplay. En termes d'univers, gameplay, c'est exactement le même. Hein, ouais, exactement. Mais il y a eu La Fureur de l'étranger qui est ressortie encore récemment sur PC, sur Vita aussi, il est ressorti. Voilà, qui sont des jeux vraiment intéressants, notamment La Fureur de l'étranger aussi. Après, c'est des gameplays totalement différents. C'est vrai que c'est une série dont on aurait aimé revoir un épisode de ce genre-là. Il y a un remake qui est prévu de... Bah, je crois de l'Exode Abe en plus, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il y a un remake qui était prévu, mais je ne sais plus duquel. Là, et moi, je l'attends avec impatience. Ouais, hein, vraiment. Alors là, je vous montre. Là, la porte est fermée en haut à droite. Ouais. Là, tu leur dis au boulot. Et là, ils m'ont tous ouvert la porte. Voilà, et donc, du coup, je vais montrer. Alors, ouais, donc le panneau pour finir. Donc, vous avez. Suis-moi. Évader, en fait, c'est les gens que j'aide à s'enfuir grâce à mes pouvoirs mystiques. Victime, c'est les gens que je tue parce que je peux tuer donc à peu près n'importe qui. Hein. Alors, des fois, les trois quarts du temps, en général, c'est involontairement. C'est un piège que t'as pas vu. Et... Voilà. Bon, toi, c'est volontaire parce que t'es un enfoiré, hein, faut le dire. Voilà. Mais, bref, ces panneaux vous aident à savoir combien de Mudokons il vous reste à sauver ou pas pour avoir au moins un nombre minimum dans les niveaux. Et là, vous voyez que grâce à mon pouvoir. À gauche. Et là, il s'enfuit. Pop. Et je vais remonter juste en haut avant de terminer ce gaming live parce que je pense que c'est bon. Vous allez voir que voilà, ça, les stats ont changé. Bah, tu en as sauvé 66. Bravo, tu es sur la bonne voie. Mais oui. Est-ce que c'est tout pour cette présentation de l'Exode d'Abe? Bah écoute, je crois que c'est bon. Ouais, tout à fait. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Vous avez compris que l'Exode d'Abe, c'est un jeu qui est très sympathique. À savoir qu'il exigeant. Est aussi très exigeant. C'est vrai, il est assez difficile. C'est un jeu à énigmes, hein, bien sûr. Hein, les trois quarts du temps, c'est des petites énigmes. C'est ou comme du réflexe ou de l'énigme. Hein, vraiment, c'est l'un ou l'autre. Il y a aussi des réflexes, notamment la scène finale. Aux petits oignons. Elle est vraiment impeccable, la scène finale. J'avais beaucoup apprécié à l'époque. Sachez en tout cas qu'ils sont sortis aussi sur PC, le premier et le deuxième. Mm. On vous recommande franchement de les faire si vous n'avez pas connu la série. Ils sont peut-être sortis sur le PSN aussi. Sur PSN, peut-être. Oui, je crois. Il y en a au moins un qui est sorti sur PSN. L'Exode, je pense que vous dites Dave aussi, peut-être. Mm-hmm. Franchement, c'est des jeux qu'on vous conseille parce que c'est des concepts assez drôles. C'est vraiment des jeux en plus qu'on peut faire à plusieurs. C'est-à-dire, on peut être à plusieurs à l'écran et essayer de se dire, tiens, regarde. Et même, j'en ai pas parlé, mais il y a un mode de joueur. Je me rappelais pas. Il y a un mode de joueur qui fonctionne comme les. Vous savez, les anciens Mario, c'est-à-dire qu'un joueur. Chacun joue, son tour. Voilà, et l'autre son tour. Ouais. Mais il faut le faire avec quelqu'un qui connaît un peu le jeu, hein, parce que honnêtement, si vous prenez un ami à vous qui a jamais fait le jeu et que vous le connaissez pas, que vous dites non mais c'est génial, tu vois, on va jouer à deux pour voir qui arrive plus loin et lui il va ramer. Même à un joueur, comme il y a pas mal de passages de réflexion, je me rappelle que moi quand j'avais fait ce jeu, c'était avec ma famille qui était autour et c'était je faisais justement pareil pour Tomb Raider, moi, tu vois. Voilà. Non mais essaye de faire ça avant, ou essaye de passer par là ou machin, parce que comme c'est des jeux à énigmes, voilà, c'est vraiment interactif, c'est vraiment vraiment bien foutu. Et vraiment un univers extrêmement sympa, extrêmement riche. Merci beaucoup pour ta présentation. Mais de rien, Nagoon. Tumblr, tu vas retourner justement faire l'esclave là-bas, espèce de mudokon de stagiaire. Je récure le sol. Allez, récure le sol là-bas avant de finir dans des steaks, des steaks de stagiaire. Oui, c'est pour ça qu'il y a des stagiaires qui changent tous les 6 mois, que vous voyez de nouveau, c'est parce qu'on est mangé par la rédaction. Voilà. Exactement. Ce sont nos mudokons à nous. Voilà. Merci de nous avoir suivis et ciao, ciao. Salut.